Ok. Salut la famille, je suis Nawa en personne. Puisque vous le savez déjà, ma finalité est de vous partager le Yakuba, de vous apprendre à parler le Yakuba. Je ne cesse jour et nuit de partager avec vous des vidéos qui vous permettent tous de vous exprimer en Yakuba. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques noms en Yakuba. Parlant du nom, je vais parler du nom des objets. Des objets que nous utilisons au quotidien pour pouvoir exprimer toute autre chose. Pour pouvoir, en fait, je veux dire, reformuler une phrase concrète en Yakuba. Puisque la dernière fois, je vous ai appris à prononcer les noms en fonction du temps. Et la dernière fois, je vous ai montré les noms au présent. En Yakuba, j'avais dit la dernière fois que c'est des pronoms personnels qui se conjuguèrent. Voilà, il n'était pas en fait autorisé de conjuguer des verbes en tant que tel. Et donc aujourd'hui, je vais maintenant vous donner les noms des objets en Yakuba. Je montre l'image d'un objet et je vous donne son nom. Et donc c'est ce que nous allons faire maintenant, sans plus tarder. Je ne vais pas perdre votre temps assez. Alors nous allons passer maintenant à la présentation des images et à la connaissance également de leur nom. Top, c'est parti. Ok, voici donc ces objets. Ça, c'est la graine. En Yakuba, on appelle ça ce. Ce gars. Voici la banane. La banane douce, bien sûr. En Yakuba, on appelle ça gloné. Gloné. Voici une banane dépluchée. En Yakuba, on dit glo e ou kewaba. Voici la banane plantain. En Yakuba, on appelle ça piaglo. Voilà, ça, c'est piaglo. Et nous verrons ensuite l'ananas. Voici l'ananas. On appelle ça en Yakuba nana. On enlève le A et ça laisse nana. Voici les chefs notables du dent. En Yakuba, on les appelle gludan. Gludan. Voici une marmite. En Yakuba, on dit gbo. On dit gbo. Voici une mangue. Sinon, deux mangues. En Yakuba, on appelle ça manglo. Manglo. Voici l'arbre de mangue, c'est-à-dire mangue. En Yakuba, on appelle ça manglo du. Et voici une mangue qui a donné des fruits. Manglo yabeya.